Bom, boa noite a todas e todos. Agradeço a presença de vocês, do professor Felipe Steiner e das professoras Mariana Montalverne Barreto e Marina Sartori, além do meu colega Rodrigo Cantu, que hoje, né, nos darão a honra da discussão sobre a economia da festa. Gostaria de agradecer também o apoio da SBS, o auxílio e acompanhamento da Breila aqui nos bastidores, além da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal de São Carlos, que nos acompanham e apoiam nesse evento. Alguns recados antes de passarmos para a apresentação da live propriamente. Nós já temos uma nova data para a live sobre mercados contestados. Ela acontecerá dia 8 de dezembro, às 18 horas. Né? Vocês poderão acompanhar aí as divulgações nas redes sociais da SBS e do Comitê de Pesquisa de Sociologia Econômica. E, para além disso, né, haverá a emissão de certificado para aqueles que participarem de pelo menos 3 das nossas sessões. Então, ao longo da live, será disponibilizado o formulário de presença para vocês contabilizarem aí, a participação de vocês para a emissão do certificado. Bom, seguimos então para a apresentação da sessão de hoje. Essa é a terceira sessão do ciclo de debates sobre a sociologia econômica de Felipe Steiner, intitulada Economia da Festa. Tem como referência a obra Faire la Fête, Sociologie de la Joie, publicada em 2023. E passo para o Rodrigo, então, para fazer a apresentação dos pesquisadores hoje, participantes. Boa noite a todos e a todas aí, bem-vindas e bem-vindos a essa sessão de debate dessa noite. Também estou muito contente aqui em poder apresentar todos os participantes do debate de hoje. Começando pelo Felipe Steiner, né? Como de costume aqui eu tenho apresentado ele rapidamente toda vez. A gente fez uma apresentação um pouco mais demorada na primeira sessão de debates, né? O Felipe Steiner, que é um pesquisador da Universidade Paris-Sorbonne, e que é, enfim, né, talvez um dos principais nomes da área de sociologia econômica na França, né? O Philippe Steiner tem inúmeros trabalhos, né, artigos e livros publicados nessa área. Eu destaco alguns deles que foram publicados em português, como, por exemplo, A Sociologia Econômica, de 2006, publicado pela Atlas, A Sociologia de Durkheim, publicado pela Vozes, em 2016, e Altruísmo, Dons e Causa Simbólica, foi publicado pela editora Cultura Acadêmica, mais recentemente, em 2016. Através desse conjunto de obras, né, e um conjunto de artigos também, o trabalho do Felipe Steiner tem um grande impacto na sociologia econômica do Brasil, e estamos aqui, então, esmiuçando esse trabalho com os pesquisadores brasileiros agora nesse ciclo de debates. Para o debate dessa noite, então, contamos aqui com a Mariana Montalverne Barreto, que é professora da UFC, né, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia dessa instituição, e também do Programa de Pós-Graduação na Unilab. A professora Mariana, que tem graduação em Ciências Sociais pela Unifor e depois mestrado, né, em Sociologia e doutorado em Sociologia pela Unicamp, e atua em áreas da sociologia da cultura, em particular pesquisando trajetória de consagrações artísticas e circulação internacional das culturas populares brasileiras. E apresento aqui também a professora Marina Sartori, né, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Carlos, e depois todo um percurso também por essa mesma instituição, né, realizando doutorado sanduíche no Centro de Sociologia Europeia, na École d'Études en Sciences Sociales, em Paris. A professora Marina Sartori é professora da Universidade Federal de Sergipe, né, onde atua também no programa de pós-graduação em sociologia dessa mesma instituição. Gostaria também de destacar que ela é líder do Laboratório de Estudos sobre Mercados e Organizações na Sociedade, o LEMOS. Sem mais delongas aqui, pessoal, apresentando o pessoal do debate dessa noite, vou passar a palavra então para a professora Mariana, que vai começar as atividades do debate. Por favor, Mariana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu também gostaria de começar agradecendo, né, ao Rodrigo, à Karina, à Marina e ao CP de Sociologia Econômica da SBS pelo convite. Queria fazer também um agradecimento especial ao Marcelo Carneiro, que foi quem me convidou para participar dessa sessão hoje, né? E também agradecer ao Steiner pela disposição em ouvir
né, em estar aqui para ouvir e responder as nossas impressões e questionamentos sobre o seu livro. Eu tenho a honra de dividir com ele o Departamento de Ciências Sociais da UFC, né, e seu PPGS, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, durante esse semestre. Né? Ele está aqui desde maio, se não me engano, e ficará até dezembro. Eu estive afastada, né, justamente nesse semestre, mas saber que ele está contribuindo para a formação dos nossos estudantes é um grande prazer. Né? Ele está na UFC, é importante dizer, como professor visitante, pelo projeto intitulado Razão Neoliberal, Financiarização e Circulação Transnacional da Cultura / Conhecimento, coordenado pelos meus colegas Andréa Borges Leão, Edmilson Paraná, da UFC, e Edson Farias, da UNB. Né? Ele está ministrando também agora uma disciplina que se chama Sociologias Relacionais, no nosso programa de pós-graduação. É uma disciplina estritamente relacionada com o Ferlafeta e que também tem a ver com um livro, né, que ele está, um livro pronto que ele está, que ele vai publicar brevemente. Olha o spoiler. Bom, eu combinei com a Marina que eu faria uma breve síntese do livro, né, depois eu procederia para as minhas três questões, com comentários bem breves, também só para situar as questões, né, e em seguida eu passo para a Marina e para as formulações dela, então serão seis questões, três minhas e três delas, né. Bom, eu vou fazer então uma pequena síntese sobre o livro, né. Ferlafeta, Sociologia de la Joie, foi publicado pela PUF em 2023. É um livro consagrado às festas tradicionais anuais de verão que acontecem na cidade de Bayonne, situada no sudoeste da França, parte do País Basco, onde Steiner passou sua infância e parte da adolescência. Ele e seu grupo de pesquisa acompanharam as festas de Bayonne em suas edições de 2017, 18 e 19, para a realização de observações diretas, entrevistas, aplicações de questionários, coleta de materiais documentados em arquivos, acervos de artigos e demais produções oriundas da grande imprensa sobre as quase ininterruptas 90 edições do evento. Nele, o autor mostra que fazer a festa é participar da efervescência popular, mas igualmente fabricá-la. Para que a festa aconteça, é necessário prepará-la, receber a multidão convidada, administrá-la durante sua permanência no tempo e no espaço da festa. Assim, o sentido da festa poderá ser vivido pela alegria da multidão. Neste trabalho, que vincula economia e cultura, Steiner explora o mundo dos eventos festivos e convida a sociologia a retomar a alegria como objeto. Seus objetivos estão bem precisados, seu esforço de construção do objeto não deixa dúvidas quanto a isso. Interessa-lhe a festa de rua, onde os grupos de pessoas que se encontram e se juntam para participar da festa constituem a atração maior do espetáculo. As festas de rua de Bayonne deixam ver que a festa é a produção da alegria pelos festeiros, aqueles que participam das festas. Um prazer que dão a si mesmos e aos outros, produzindo a força que move a multidão pelas ruas da cidade. A pesquisa do sociólogo está apresentada de forma especialmente clara e especificada. São 11 capítulos, divididos em três partes, acompanhados pela introdução, conclusão e anexos estatístico e metodológico. Na primeira parte, ele faz uma sócio-história das festas de Bayonne desde os preparativos para sua primeira edição em 1932. Na segunda parte, ele trabalha a economia das festas, onde questiona, dentre outras ideias, uma ideia cara à tradição sociológica em geral, isto é, aquela que divide o mundo da vida cotidiana, dominado pelas questões econômicas,
e o mundo das festas, quer sejam de ordem religiosa ou não. Na terceira parte, intitulada Economia da Multidão em Festa ou Multidão Festiva, ele evoca sua pesquisa etnográfica, deixando ver como se produz socialmente uma das forças mais importantes para a existência das festas, isto é, a multidão. Como se criam os mecanismos para administrá-la, torná-la um lugar seguro, de modo que a alegria, essa força social que a sociologia praticamente ignora, se realize. Bom, essa é uma síntese que é devedora da obra, né, em razão do curto espaço de tempo que nós temos aqui. Eu vou proceder, então, para as minhas questões, né? Elas estão praticamente sintetizadas em dois blocos, eu diria, né? As duas primeiras tratam da efervescência festiva, que é um tema importante dentro do livro, né? Presente em quase todos os capítulos, e a questão da multidão também, que é um agente importante discutir, trabalhado pelo Steiner em todos os capítulos do livro. Bom, a primeira pergunta, então, é a seguinte. No seu trabalho, quando você expõe a ideia de efervescência festiva, onde a produção da alegria toma parte considerável, em que medida ela se acomoda às explicações durkheimianas do fenômeno e em que medida ela avança em relação aos trabalhos dele próprio ou dos durkheimianos? Bom, como eu disse, o fenômeno da efervescência é parte importante da análise do autor, né? Tanto essa questão como a seguinte se relacionam com o fato. Elas dizem respeito também a uma afirmação que percorre várias passagens do livro, né? Ela está na introdução, está no capítulo 5, está na conclusão, se não me engano, né? No anexo metodológico, em que ele diz o seguinte: a obra se abre, o livro, Verlafete, se abre a uma reflexão crítica, são palavras do Steiner, da sociologia da festa levada a efeito pela escola durkheimiana, a única escola importante que se dedicou ao tema. Né? Então, daí a razão também da minha questão. A segunda questão, ela diz respeito às discussões que se encontram, eu acho, na segunda parte do livro, no capítulo 6, especificamente, Sociologia Econômica das Festas. Então, é a seguinte, a leitura do livro parece deixar a impressão que o econômico funciona como fundamento do processo de efervescência. Isso faria sentido? Se sim, você poderia comentar um pouco no que essa conjugação economia-efervescência faz avançar a teoria sociológica, na medida em que, como tem uma inspiração durkheimiana, para o Durkheim, a economia, me parece, não ajudaria muito no reforço e na manutenção e no reforço dos laços sociais, justamente aquilo que você vai mostrar que a festa proporciona. Então, seria um pouco para ouvir você sobre essa relação, né? Bom, a terceira questão formulada diz respeito ao capítulo 8, né? Um capítulo sobre l'affolement, ou seja, a construção social da multidão. Então, é a seguinte questão. Na verdade, é um comentário que eu gostaria de ouvir de você a respeito da questão da multidão, né? Como você a interpreta no seu estudo. Será que você poderia apontar algumas diferenças entre a forma como você se ocupa dela e as ideias trabalhadas sobre o tema pelas ciências sociais desde o século XIX, né? Desde o fim do XIX, que, de certa forma, transformou em tradição um fundamento analítico baseado na difícil oposição entre multidão e indivíduo. Multidão, massa no século XX e indivíduo. Né? Essa questão, ela seria para ouvir você sobre a influência da multidão, como eu disse, mas também sobre a ideia do l'affolement, isto é, a construção social da multidão e o que essa criação, né, a palavra, o evento, l'affolement, representa do ponto de vista heurístico em relação às abordagens clássicas sobre as multidões ou sobre a multidão. Acho que é isso. Obrigada.
Muito obrigado, Mariana, pelo enfim, resumo aí, pelo debate do livro e também pelas questões colocadas ao Stanner. Eu passo a palavra, então, para a professora Marina agora, para os seus comentários. Olá, boa noite a todos e todos presentes. Eu também gostaria de começar agradecendo brevemente à SBS, ao Rodrigo, à Karina, ao Marcelo, que fizeram o convite para minha participação nesta sessão, ao Steiner, por também se dispor aí a conversar conosco, né? E agradecer também a presença dos demais aí do público, né, na sexta-feira, para nos acompanhar nesse debate. Também, sem muitas delongas, eu vou colocar as minhas questões, contextualizando-as em relação ao que o Steiner aponta no livro. Então, neste livro, que ele está aqui, ó, Faire la fête, sociologie de la joie, o Steiner, ele estuda o caso da festa de Bayonne e diz, né, que uma festa, ela reúne as características básicas. Ela tem, uma ocasião. 2, uma festa, ela tem um lugar. 3, ela tem uma força convidativa, que é quem convida. E 4, ela tem uma força convidada, que são as pessoas que são convidadas, né? A multidão. Trata-se, portanto, de um momento extraordinário no tempo e na atividade. No caso do Steiner, a ocasião é a festa de Bayonne, que celebra a cultura local basca e ocorre em um momento no tempo específico. São 5 dias. O lugar é a rua. Trata-se de uma festa de rua. O que é interessante nessa festa? Por um lado, ela não é uma festa que nasceu de uma tradição sem fins utilitários. Ela também não é uma festa que possui o princípio capitalista do lucro. Ela nasceu no ano de 1932 com o fim de superar uma crise econômica, com o fim de desenvolver o turismo, ele mesmo associado à ideia de desenvolvimento econômico. Mas, por outro lado, essa festa, ela também não é uma festa organizada por empresas globais que tornam o lucro, o retorno do capital investido, o seu principal objetivo. Então, em suma, se trata de uma festa que ocorre nas ruas, em via pública, financiada por agentes sociais locais. Ela é aberta para turistas, com a finalidade de produzir renda para a comunidade local, ao mesmo tempo perpetuar a tradição local. No livro, o Steiner, ele chama esse tipo de festa, ele classifica ela como Belle Fête, festa bela. Essa festa bela, ela consegue unir a cultura local, mas aberta aos turistas, sem cair na armadilha mercantil da produção da festa em massa, da busca ao lucro, que muitas vezes descaracteriza a autenticidade da festa e a transforma em mais um produto cultural. Para a sociologia econômica, esta caracterização que o Steiner faz é importante, porque ela não é nem uma festa sem fins utilitários, mas também não é uma festa com um único fim utilitário. O resultado final dela é a alegria, de la joie. Uma alegria pública que, segundo Steiner, estaria evidente nos éclats de plaisir, que são esses fragmentos de prazer. Ou seja, quem já foi em uma festa de rua sabe que existem aqueles momentos em que estranhos se abraçam por conta de uma música e depois cada um segue seu rumo. São esses momentos de encontros, desencontros que se manifestam no meio da multidão, do riso de uma pessoa para outra com um copo levantando na forma de um brinde com outro desconhecido ou não. Esses éclats de plaisir, né? Esses fragmentos de prazer, eles são uma expressão de uma alegria pública que não ocorre
segundo Steiner, em contrapartida ao mundo cotidiano e ordinário, o mundo dos problemas, cuja festa seria um verdadeiro antídoto. A ideia de alegria trabalhada por Steiner não pressupõe que ela é um contrapeso à vida trágica. Ela é, segundo o próprio Steiner, a alegria de viver, a aceitação do mundo que se vive, é o sentimento pelo qual o poder de agir sobre o corpo, ele é aumentado. Então, após esse meu preâmbulo, vem a pergunta 1, Steiner, é assim, ó, trazendo um pouco, né, do Pierre Bourdieu, que é uma referência importante para a sociologia econômica no Brasil, seria possível pensar esta alegria pública da festa a partir da ideia de uma incorporação do hábitos festivo? Você menciona no começo do livro que estamos diante de um tempo na sociedade moderna em que existem muitas festas de rua. Existe até mesmo um termo em francês que significa la teuf, que significa este estado constante de festa da juventude atual, que migra de bar em bar, que migra de festa em festa, vive neste estado constante de festa. Então, ao ler o seu livro, logo eu pensei na formação de um hábitos festivo, em um campo da festa, né, no qual estariam essas festas todas que você lista no começo do livro. A alegria pública que é produzida na festa, ela, dentro dessa perspectiva, não estaria conectada a uma ilusio, é um conceito de Bourdieu que implica na crença interior de que vale a pena jogar o jogo, ou seja, que vale a pena ir à festa de Bayonne, e a uma exis corporal que se manifesta em uma maneira incrustada de se portar, de sentir e de viver. Então, de maneira geral, eu estou solicitando aí ao Steiner esse exercício de conectar a ideia de alegria pública, este resultado da festa de Bayonne, com essas questões do hábitos festivo, da ilusio e da exis corporal, tá? Do Pierre Bourdieu. Vamos agora para a segunda questão, a minha, né? A quinta, no total. Esta alegria pública, estes éclats de plaisir, para Steiner, eles são produzidos, eles não são espontâneos. Por isso, o livro interessa muito a sociologia econômica, porque se trata de compreender a produção da festa moderna. Na antropologia, existe um grande foco em compreender os dramas sociais, os ritos, as performances. Na sociologia econômica, o foco está na produção material da festa. Porém, ao contrário das ciências econômicas, cujo foco é a produção financeira da festa, quais recursos e para quem, a sociologia econômica, ela também questiona quais são as condições econômicas e materiais de produção da festa, que não perpassam necessariamente pelo cálculo econômico e financeiro. Aqui, segundo Steiner, a sociologia econômica encontra a sociologia das emoções porque busca explicar, e aqui é importante, gente, quais são as condições materiais de produção desta alegria pública. E quais são essas condições materiais? Steiner argumenta que é o fazer a festa em sentido duplo, como fabricação e como participação. A fabricação, para Steiner, está presente em três formas de financiamento que correspondem às três formas de economia de Polanyi. Reciprocidade, que existe no caso da festa de Bayonne a partir das associações locais que investem na festa e revertem o dinheiro para doação para a própria cidade, a redistribuição, como as políticas de redução de imposto da prefeitura, e do mercado, propriamente dito, como a política de preços de comida e bebida dos bares e restaurantes. A participação, agora, de um lado, a fabricação, que eu mencionei, agora a participação, são as práticas festivas,
que seriam centrais na produção da alegria, uma vez que a festa pode estar toda montada, mas se não tiver a multidão festeira, não há alegria pública. Então é necessário fazermos uma sociologia econômica da multidão festeira. Como ela se forma, como ela se desloca, como ela se desfaz. E aqui Steiner nos presenteia com um enquadramento analítico enriquecedor. E daí vem a minha segunda pergunta. Eu entendi que a festa de Bayonne, possui os seus próprios sistemas de financiamento, as suas práticas festivas, que geram um sentimento geral de convivialidade e que apagam as estratificações sociais e os interesses puramente mercantis. Mas a multidão festiva de uma festa com fim utilitário mercantil ou uma festa que tem mais claramente estratificações sociais reveladas, né? Ela não teria a capacidade criativa de gerar a efervescência social que a Mariana comentou e a sua consequente alegria pública? É, a partir da produção material da alegria, seria possível pensarmos que existem alegrias públicas distintas? Então fica essa segunda questão. E para fechar, para podermos dar aí a voz ao Steiner, ainda sobre a produção material da alegria pública. Eu acho que não temos como escapar de pensar o fato da festa de Bayonne estar associada às discussões sobre lazer. Corrija-me se eu estiver equivocado, os momentos de festa, eles estão associados aos momentos de lazer, porém, nem todos os momentos de lazer estão associados aos momentos de festa. Então, uma questão com a qual eu venho trabalhando na minha pesquisa sobre os usos da praia no Brasil é a seguinte: a praia é um lugar, ela possui uma ocasião, né, o fim de semana, o feriado, possui um grupo que convida, outro que é convidado para ir à praia. A multidão da praia é composta por grupos. E pensando nas práticas que compõem a ideia de festa, no Brasil é possível, se come, se bebe, ouve-se música, atinge-se a alegria pública na praia. No caso do Brasil, esta prática de festejar na praia, pensando este conceito mais amplo de festa, ela possui três representações coletivas. O piquenique na praia, quando os grupos se reúnem para comer, beber, ouvir música, passar o dia festejando e levam a comida de casa. O ambulante, que é o grupo não leva nem a comida, nem a bebida, e espera que os serviços cheguem até o grupo. E por fim, temos o beach bar, ou barraca de praia, ou beach club, que oferece uma estrutura para que se faça a festa na praia. A praia, assim como as ruas, são públicas. Então, o que eu tenho a argumentar é que existe uma doxa brasileira como espaço de festa. Não porque todos que vão à praia fazem piquenique, compram de ambulante ou frequentam beach clubs, e não porque todas as praias possuem essas práticas. A doxa de praia enquanto espaço de festa é que mesmo uma pessoa no interior do Brasil, sem estar na praia, ela entende como normal essas três representações coletivas de festa na praia. Não há estranhamento em ver, ouvir ou vivenciar um piquenique, um bar de praia ou um ambulante vendendo a comida e bebida na praia. O que a multidão de frequentadores da praia, festeiros, fazem todo final de semana é produzir uma alegria pública. Porém, esta alegria pública, no caso de Aracaju, por exemplo, ela advém muito mais dos bares de praia. Uma estimativa de 2007 aponta que 68% das pessoas, dos frequentadores de praia em Aracaju, compram comida e bebida dos bares de praia, que atualmente se aproximam muito dos beach clubs do Mediterrâneo Europeu, com palco, música, DJ, etc. Bom, aí a última pergunta, Steiner, é para que você diga para a gente o que você então destacaria como relevante em seu modelo analítico, que poderia ajudar outros pesquisadores, o modelo analítico que você desenvolve no livro,
que poderiam ajudar outros pesquisadores que estudam outras formas de morfologia de produção material da alegria pública. Muito obrigada. Muito obrigado. Merci beaucoup pour ces résumés très concis et très bien faits. Je retrouve bien la dynamique de recherche qui a été la mienne. Et merci également à Marianne et à Marine pour les questions auxquelles j'ai réfléchi. Sur des thèmes d'ailleurs que je n'avais pas peut-être anticipé jusqu'ici, de façon à affiner mes réponses et à penser à des développements ultérieurs. Cette remarque n'est pas une remarque de pure forme, puisque j'ai la chance, comme l'a rappelé Marianne, d'être professeur visitant ici à Fortaleza et notamment pour avoir l'occasion de me nourrir des nombreuses réflexions faites par les sociologues et anthropologues au Brésil sur les fêtes et notamment les fêtes liées au carnaval. Ce qui me permet déjà, au travers des quelques mois de travail ici, d'enrichir ma compréhension du phénomène festif et de son importance sociale et politique, en plus, ici au Brésil, qui est encore plus nette qu'en France et à Bayonne. Et donc, je me réjouis de cette discussion et de ce qu'elle va pouvoir m'apporter. Et donc, j'espère que mes réponses pourront enrichir le débat qui commence ce soir. Alors, je vais répondre un peu dans l'ordre, en reprenant les questions de Marianne sur la question le problème de l'effervescence. Alors, ça me permet de rappeler, après d'ailleurs les remarques qu'elle-même a faites dans la présentation, de rappeler que j'adopte un point de départ qui est l'approche durkheimienne de la fête, pour une raison simple, c'est le fait que si on considère les sociologues classiques, et on peut remonter au-delà même du début du XXe siècle, les durkheimiens sont vraiment les seuls à s'être emparés de ce moment particulier de la vie sociale qu'est la fête pour essayer de comprendre le monde social par cet intermédiaire, par ce biais qui est justement le caractère extraordinaire. Alors, bien sûr, on le sait, l'extraordinaire est aussi quelque chose qui intéresse un grand auteur comme Max Weber, mais ce n'est pas cet extraordinaire festif qui retient son attention, comme c'est le cas de Marcel Mauss, de Hubert, de Granet, et bien évidemment aussi de Durkheim. Alors, une fois que je prends ce point de départ, je suis amené à faire deux choses qui vont d'ailleurs être débattues au cours des différentes questions. C'est à la fois de se saisir de ce point de départ offert par Durkheim et les Durkheimiens, et en même temps, je me sens contraint à faire des modifications. Il me semble que c'est une thèse générale, peut-être qui n'a pas besoin d'être complètement développée ici ce soir, mais le travail à partir des classiques demande bien évidemment de comprendre, de connaître, de faire un travail
compréhension sur les auteurs classiques, Durkheim, Weber, Simmel, etc. Mais je crois que utiliser les classiques, ça signifie aussi se donner le droit, au risque, au péril, bien sûr, donner le droit de les modifier, de les faire travailler. Alors, je vous rappelle cette formule que Durkheim emploie dans une correspondance avec Marcel Mauss, de mémoire. C'est Durkheim écrit « Je ne veux pas qu'on loue mon style ou qu'on m'encense. Je veux sentir que mon travail est utile et qu'il sert à d'autres. » Donc, d'une certaine manière, je m'empare un peu de cette idée. Et pour revenir à la question directe donc, de ce travail sur les fêtes, il me semble qu'il y a deux modifications qui s'imposent, qui ont d'ailleurs été soulignées à la fois par Marianne et par Marine. À savoir, la dimension économique est très faible dans le cadre des fêtes étudiées dans l'Australie du Sud chez les natifs d'Australie du Sud. Dans nos sociétés contemporaines, la dimension économique est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus présente. Et il faut non pas, comme le fait Durkheim, poser une opposition entre fête et économie, il faut faire des efforts pour les réunir. Au passage, les lectures que je peux être amené à faire sur les carnavals au Brésil, que ce soit le carnaval Carioca ou le carnaval de Salvador de Bahia, des travaux comme ceux de Maria Laura Cavalcanti, Os Bastidores de, excusez-moi, je ne me rappelle plus exactement le titre, mais la fabrication du carnaval dans une école de samba pour aller jusqu'au défilé, elle étudie le financement, qui est une condition essentielle du bon fonctionnement de ces écoles de samba du groupe spécial, celles qui sont les plus spectaculaires. Et le financement est considérable. De la même façon, les travaux de Paulo Miguez sur le carnaval de Bahia montrent l'importance de la dimension économique avec, à la suite de l'invention des trios eléctricos. Donc, je crois que ce mouvement-là est un mouvement que je pratique comme les anthropologues et sociologues brésiliens, la jointure entre la dimension culturelle et la dimension économique de la fête. J'en viens maintenant à la question de l'effervescence que, dans mes lectures jusqu'à présent, je n'ai pas vu véritablement convoquée en tant que concept dans les travaux brésiliens, mais j'ai le sentiment, et là je commence ma réponse plus directe à la question de Marianne, le sentiment que lorsque on réunit une foule qui est très importante, c'est des dizaines de milliers de personnes dans une toute petite ville ou des centaines de milliers de personnes dans une grande ville comme Rio ou Salvador de Bahia, l'idée durkheimienne, c'est que ça va produire quelque chose. Et il me semble qu'une des grandes thèses de Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, une thèse stupéfiante par certains côtés, revient à dire c'est dans ces moments-là que se crée même l'idée de Dieu et de force supérieure que la divinité symbolise, en quelque sorte. C'est une thèse extraordinairement forte, à mon avis équivalente à celle que Weber peut développer dans sa théorie de la religion sur les différents volets qu'il a mis en œuvre, et notamment ces moments exceptionnels fixés sur une personne particulière, la personne dite charismatique. Chez Durkheim, c'est une foule. Et la question que je me suis posée en utilisant cette référence durkheimienne, c'est qu'est-ce qui se passe? L'idée que la fête puisse produire quelque chose d'équivalent à cette dimension religieuse ne me paraissait pas correcte. Je n'ai pas le sentiment,
en voyant les fêtes de Bayonne, en les ayant vécues moi-même, enfant, enfin adolescent, et en les ayant observées quelques décennies plus tard, qu'une dimension religieuse apparaît. Ce n'est pas le cas. C'est une fête laïque, c'est une fête qui produit quelque chose, mais pas du religieux. Et il me semble, apprendre les choses en observant la réalité festive, que ce qui est produit, c'est l'ambiance, une ambiance générale, qu'à mon avis, un petit groupe à l'intérieur de la fête, ou qu'un petit groupe ne peut pas produire à ce niveau-là. Pour prendre juste une expression qui, je crois, parle aux Brésiliens. J'ai eu l'occasion de me trouver à l'ouverture du pré-carnaval à Olinda en septembre, et j'ai retrouvé exactement le même sentiment. La ville, tout d'un coup, s'anime, les gens sont dans la rue, les groupes se forment, on rit, on discute, on boit, on crie, on chante. Il y a une bulle de bruit qui enveloppe tout l'espace urbain, et ceci crée une ambiance qu'un petit groupe, même animé dans un appartement ou une cour, ne peut pas produire. Il y a quelque chose là qui est spécial. Et cette ambiance, me semble-t-il, en observant à Bayonne, mais aussi dans d'autres endroits, ça produit de la joie au sens d'un sentiment collectif, partagé, qui se diffuse, qui est en quelque sorte presque, pour employer une formule de Marcel Mauss, un sentiment ou une expression obligatoire de sentiment de joie. Si on n'est pas joyeux, bon, on s'en va ou on reste chez soi, mais si on sort, la joie vous envahit. J'en dirai un peu plus plus tard. Et donc, me semble-t-il, c'est cette filiation que j'essaye de suivre. La fête implique la foule. La foule, cette accumulation d'énergie, en quelque sorte, qui se déploie à un moment donné dans un espace donné, va produire cette ambiance et cette joie. Et voilà, une séquence qui s'inspire de Durkheim, mais qui la modifie. Le dernier point que je voudrais ajouter pour compléter ma réponse, que j'ai esquissé, seulement esquissé d'ailleurs dans le livre, c'est le fait que la pratique festive, et j'ai retrouvé cela aussi dans le cadre de l'ouverture du pré-carnaval à Olinda en septembre, c'est le fait que les gens se rassemblent, ils sont beaucoup plus proches qu'ils ne le seraient habituellement dans la vie quotidienne, au sens de les corps frottent les corps d'une manière qui serait inacceptable dans la vie quotidienne. On se parle à petite distance, on crie, on chante, on s'interpelle d'une manière complètement inhabituelle. On s'habille d'une manière différente, on boit plus peut-être que d'habitude, on mange dehors, les comportements sont différents, extraordinaires comme on le dit. Mais il me semble qu'on peut essayer de commencer à systématiser cette partie-là du phénomène, au sens où, grâce à ce que j'emprunte à George Simmel, c'est-à-dire la sociologie des sens, eh bien, à la fois par l'œil, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût et la parole, mais aussi par le corps, le toucher, cette ambiance festive se diffuse. Chacun est pris soit par les cinq sens ou par quelques-uns et entraîné, d'une certaine manière, à faire ce que Randall Collins, dans son travail, appelle une attention mutuelle focalisée. À certains moments, on va, même avec des inconnus, se mettre à fredonner, à discuter, à faire des blagues, à danser ensemble, à chanter ensemble pendant quelques instants. Et là, il y a comme une espèce de petite fusion sociale qui se fait, qui peut être éphémère, durer quelques minutes ou quelques secondes, et puis on passe à autre chose, etc. Et récemment, en travaillant plus sur le côté musical, qui est moins présent à Bayonne qu'il ne l'est au Brésil, en lisant le travail de Thomas Torino sur « The Social Life of Music »,
je retrouve exactement la même idée de cette fusion qui peut exister au sein d'un groupe de musiciens, mais aussi de ceux qui écoutent cette musique. On va vivre, on va battre au même rythme, y compris pour ceux qui dansent. Et ça permet même des fois de limiter la différence entre les spectateurs et les acteurs de la fête. Il peut y avoir une espèce de fusion ainsi qui se fait par le truchement de la musique. Autrement dit, cette ambiance, cette joie, elle ne se répand pas d'une manière magique, elle se répand aussi par des éléments culturels, une rupture parfois avec les pratiques culturelles, avec les modalités particulières du comportement festif. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Et je voudrais clore cette longue remarque, cette longue première réponse à la question sur l'effervescence par une remarque qui échappe, qui permet peut-être d'ouvrir vers d'autres considérations de sociologie, non pas de sociologie économique, mais de sociologie des sentiments, une sociologie des conditions matérielles de production de la joie, qui est de poser cette simple question. Lorsqu'on parle de sociologie des sentiments, on a essentiellement une sociologie des sentiments négatifs. Hein, c'est-à-dire, comment on réagit par rapport à un client désagréable. Hein, c'est le travail de Harley Oshild, hein, sur les hôtesses de l'air, essentiellement. Comment on réagit affectivement lorsqu'on est dans une position de travailleuse dominée, philippine, qui travaille pour des riches américains de Californie, pour garder leurs enfants, les sentiments, pourtant, sont là. On a donc des sentiments qui sont essentiellement des sentiments liés à des situations de domination, des sentiments liés à des situations de déplaisir. Or, je crois qu'il pourrait être intéressant, en tout cas, c'est ma suggestion, d'examiner aussi les moments, peut-être plus fugitifs, de moindre durée sociale, mais néanmoins existants, des sentiments positifs dans la vie sociale, hein, et notamment des moments de joie. Hein. D'une certaine façon, pourquoi n'aurions-nous pas une sociologie de la joie, non pas uniquement dans les fêtes, mais un peu plus générale, en se posant la question des conditions sociales de production, des moments de joie, même si la vie est une vie où la domination, la souffrance, la maladie, la mort sont présents, et pourtant, la joie peut faire son chemin, la société humaine est capable de produire ce type de société, même dans le cas, comme Durkheim l'a étudié, des fêtes tristes, les fêtes au moment de l'enterrement, parfois il peut y avoir des moments de joie, parce qu'on se rappelle les bons moments avec le défunt. Et donc, cette joie n'est peut-être pas si mineure que ça dans la vie sociale, y compris dans les moments difficiles. Donc voilà, ma première réponse un peu longue, mais il me semble que ça touche des questions importantes, des problèmes importants grâce à la question posée par Marianne. Deuxième question qui a été évoquée par Marianne, et Marine a aussi, est bien sûr revenue sur cette question-là, en tant que sociologue économiste, la question économique, bien évidemment, est importante, c'est le rapport entre l'économie et l'effervescence. Alors, je ne formulerai pas exactement la question comme l'a fait Marianne. Il me semble qu'il y a un élément intermédiaire, c'est que l'économie, je ne crois pas qu'elle joue un rôle si décisif, ou en tout cas unilatéral, dans la dimension effervescente de la fête. Alors, pour le dire autrement, dans le cas de Bayonne, l'économie, me semble-t-il, joue un rôle assez mineur, parce que, comme l'a très bien rappelé Marine,
l'économie est relativement limitée dans les sommes qui sont en jeu. C'est une économie peu capitalistique, voire presque pas du tout capitalistique. Hein. Elle est plutôt de type redistribution et réciprocité. Et cette économie donc, est finalement assez neutre. Et, un peu à ma surprise, pendant les 3 années, puis 2022 aussi, 4 années donc, les gens à Bayonne ne se plaignent pas d'une commercialisation de la fête. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas quelque chose qui est marquant dans les esprits à Bayonne. Ça l'est beaucoup plus au Brésil. C'est un problème beaucoup plus important au Brésil. Quand je lis Cavalcanti ou Ferreira, ou bien Miguez ou Farias, la question économique est beaucoup plus importante, je crois, pour interpréter l'évolution du carnaval brésilien que cette question ne l'est pour les fêtes de Bayonne. Bien sûr, il y a de l'économie, mais ce n'est peut-être pas le point important. Si j'évoque l'économie dans le cas des fêtes de Bayonne, c'est parce que j'essaye de cerner, dans le cas particulier du terrain que j'examine, j'essaye de cerner comment cette fête est produite, donc dimension économique. Et ce sur quoi je suis amené à mettre l'accent, à la différence notamment de ce qui se fait ici au Brésil, c'est le fait que la fête est populaire. Alors, c'est un terme très compliqué. Un terme très compliqué. D'ailleurs, je vois qu'il est employé aussi par les collègues brésiliens. C'est une difficulté qu'ils rencontrent aussi et que j'ai rencontré. Ici, populaire, je l'entends à un sens assez simple. C'est un art de faire, une capacité à agir que les organisateurs et les festaires, les gens qui font la fête, arrivent à mettre en œuvre. La fête est populaire d'abord d'un point de vue économique parce qu'elle est gérée localement par la mairie, par les bars et restaurants et par les associations. Il n'y a pas, dans le cas des fêtes de Bayonne, de présence de l'industrie culturelle. Il n'y a pas non plus d'acteurs économiques, notamment le monde de la musique, comme c'est le cas au Brésil. Il n'y a pas d'acteurs qui valorisent un capital par l'intermédiaire de la fête. Et donc, c'est en ce sens-là où je dis la dimension économique de la fête a quelque chose d'important pour l'effervescence sociale, parce qu'elle garde un caractère que j'appelle populaire, cet art de faire qui est mis en œuvre à Bayonne. Et puis, il y a une deuxième dimension qui va de pair avec cette dimension populaire comme art de faire, art de s'offrir à soi-même la fête, c'est que la culture est une culture populaire, la culture basque qui reste encore très vivante, qui est le ressort essentiel de la dynamique culturelle, du faire au sens de, non pas de fabriquer, mais de participer à la fête. Et donc là, il y a quelque chose de particulier qui, à la fois, mobilise les énergies locales dans un jeu d'échange social entre la mairie, les bars et restaurants et les associations, l'échange social que j'ai essayé d'expliquer dans le chapitre 5, et en même temps une pratique populaire, une pratique festive des gens, qui est, je crois, caractéristique de cette fête. Et donc, de ce point de vue, l'économie joue un rôle, mais peut-être moins direct que celui que Marianne a laissé entendre par sa question. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai dans cette étude que j'ai eue. Alors, il faut peut-être aussi être conscient des limites. En tout cas, je suis de plus en plus conscient des limites, au sens où la sociologie de la fête en France est très peu active, pour le dire poliment, est très peu active. En conséquence de quoi,
il est très difficile d'avoir des points de comparaison dans les fêtes qui ont lieu en France, voire même en Europe. En connaissant mieux les fêtes qu'étudient les collègues brésiliens, je me rends compte qu'on peut avoir des fêtes extraordinairement brillantes, avec une effervescence sociale tout à fait remarquable, avec une économie différente. Et donc, je ne voudrais pas croire que ce que j'appelle la belle fête, avec son caractère local à Bayonne, est la seule modalité avec laquelle la belle fête peut apparaître. Mais voilà, il fallait bien que je commence par quelque chose. Je me suis appuyé sur un travail de terrain particulier. J'ai essayé d'en dégager certaines des caractéristiques, mais je ne voudrais pas croire que qu'on a la prétention de l'appliquer telle quelle à d'autres fêtes. Il y a d'autres modalités. J'y reviendrai d'ailleurs à travers la réponse que je vais tâcher de faire à la troisième question de Marine, hein, qui évoque ce type de problème. Dernière question suggérée par Marianne, c'est une question qui est chère à mon cœur et au travail que j'ai essayé de faire, qui concerne la question de la foule. Parce qu'il y a effectivement, comme elle le rappelle, et comme tout le monde apprend lorsqu'il s'intéresse à cet objet, et il y a depuis la fin du 19e siècle européen, notamment avec les criminologues italiens et les politistes français comme Gustave Le Bon notamment, une idée qui perdure, y compris chez les politiques ou les policiers en France. La foule, c'est l'avilissement intellectuel des individus, c'est le comportement moutonnier, non seulement moutonnier, mais en plus décivilisé des individus qui vont se mettre à faire n'importe quoi. Et à partir du moment où mon sentiment s'est très vite construit, selon lequel la fête supposée, la fête de rue, importante, supposait une foule, la question se posait de savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette foule? Or, si on examine les travaux de Durkheim et des sociologues et politistes, criminologues qui ont véhiculé cet argument de la foule, on s'aperçoit de manière assez surprenante qu'il n'y a aucun travail empirique sur ce que c'est qu'une foule. On parle de la foule comme une opposition à l'individu rationnel. Or, on a conduit un travail quantitatif avec mes collègues qui ont bien voulu, pendant l'année 2018, me suivre dans l'étude des faits. On a conduit un petit travail quantitatif avec environ 4000 réponses. Ce n'est pas un sondage, hein. C'est quelque chose qui reste encore difficile à utiliser. Impossible de faire un sondage au sens techniquement correct dans le cadre d'une fête, en tout cas c'est notre avis. Et parmi les 4000 réponses, il y avait une question qui demandait aux gens, est-ce que vous êtes venu seul? Est-ce que vous êtes venu en petit groupe, à deux, donc seul, à deux, en couple, ou bien en petit groupe, jusqu'à 5 personnes, ou bien en grand groupe, de 6 à 20, 30. Et les réponses sont sans ambiguïté. Moins de 2% de gens viennent à la fête seuls. L'immense majorité, c'est-à-dire 92 à 93% des gens, viennent en groupe, en petit groupe ou grand groupe. Alors, si on prend en compte cette dimension, et je suis à peu près certain que c'est la même chose au Brésil, quand j'observe les fêtes à Olinda, je vois bien que c'est des groupes. Quand je vois même les vidéos de la fête de rue Carioca, ce sont des petits groupes ou des grands groupes. Alors, on ne peut pas toujours être sûr, mais les groupes sont là, massivement présents dans les films tels qu'on peut les trouver sur YouTube et sur Internet. Et donc,
je pense que s'ouvre une question qui, je crois, a été très peu étudiée jusqu'à présent, qui est: quelle est la composition sociale de la fête? Quelle est la composition sociale de la foule festive? De la même façon qu'on peut se poser la question de quelle est la composition sociale d'une foule qui manifeste politiquement ou d'une foule qui manifeste pour défendre ses droits sociaux. Voilà, la foule a une composition sociale et il faut, je crois, se détacher de l'opposition basique faite à la fin du XIXe siècle entre la masse et l'individu, dont la foule serait, du côté des masses, cette forme indifférenciée. Non, je crois qu'on est face à une composition sociale particulière qui a, dans les entretiens que l'on a pu mener au cours de la fête et dans les réponses à ces questionnaires, 4000 réponses que j'ai évoquées déjà tout à l'heure, on a quatre modalités de formation des groupes. Première modalité, des relations d'amitié. On se retrouve avec des amis, etc., pour aller faire la fête. Bon, évident. On a aussi des groupes sur une base familiale. Et on a même deux cas de jeunes gens, de 18 à 20 ans, qui vont faire la fête avec leur mère ou leur grand-mère. C'est le côté local hein, des fêtes de Bayonne, mais c'est aussi le fait qu'on peut y aller d'une manière intergénérationnelle. Donc, amitié, famille, on peut avoir des groupes qui se constituent sur la base du travail, des amitiés de travail, et on va faire la fête ensemble. Et puis on a aussi, notamment un jour précis des fêtes de Bayonne, des groupes qui vont se faire sur la base du genre. Les femmes vont partir entre elles, les hommes de leur côté. Éventuellement, ils se retrouvent à la fin des fêtes, mais quatrième modalité de composition des groupes. Donc là, il y a une chose à étudier, la formation des groupes, comment ils se forment, etc. Chose intéressante aussi, que j'ai eu moins le temps d'étudier, parce qu'il fallait déjà engranger ce premier résultat avant de passer à une deuxième étape du travail, donc c'est plus une esquisse, une piste à suivre pour la suite, c'est que si on a ces groupes, est-ce que ces groupes vont constituer des unités qui vont finalement ne jamais se fondre mutuellement les uns avec les autres. Et sur ce point, j'ai le sentiment, par l'observation d'une part, par mes pratiques anciennes quand je faisais les fêtes de Bayonne, à l'âge de jeune adulte, et par certaines informations que j'ai pu obtenir, les groupes peuvent se défaire, s'agglomérer, se reformer, puis se rejoindre. Il y a toute une espèce de dynamique des groupes, pour une raison très simple. Deux groupes se rencontrent parce qu'une personne trouve des amis dans le groupe d'à côté, elles vont se mettre à discuter, il va y avoir une sissiparité, une scission des deux groupes, un troisième petit groupe va se former, puis ils vont se retrouver plus tard, etc. Donc, on a une dynamique, en quelque sorte, de formation, recomposition, dilution, recomposition des groupes, qui montre que, au sein de la foule festive, et je pense que c'est pareil aussi dans une groupe de manifestants, qui a une dimension festive également, hein, de ces groupes hein, qui se forment, se déforment, se recomposent, se décomposent. Et là, il y a, je crois, quelque chose qui vaut la peine d'être étudié pour se défaire de cette vision dépassée, il faut le dire clairement, hein, qui est issue du 19e siècle. Dernière remarque, c'est le fait que ces groupes n'ont pas qu'une fonction, en quelque sorte, festive, joyeuse, pour l'ambiance, le fait du plaisir de retrouver des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, la fête est annuelle, etc., ou les fêtes au moment sur les plages d'Aracajou dont on parle et qu'étudie Marine. On peut avoir un groupe qui va retrouver des amis, on va se recomposer, etc. Mais dans le cas des fêtes de Bayonne, il y a aussi une dynamique qui est parfaitement comprise par la mairie et par les forces de police et de sécurité, c'est que le groupe
être le premier noyau de sécurisation des faits. Pourquoi ? Parce que, et ça je l'ai observé, ça m'a été rapporté aussi dans les enquêtes, très souvent, lorsque les gens sont dans un groupe, si l'un d'entre eux a trop bu, n'est plus capable de se tenir, on ne va pas le laisser tomber dans la rue, ivre mort. On va le ramener. On va éventuellement le ramener dans un poste de secours, mais on va le ramener, on va s'en occuper. Surtout, au moment de la dissolution de la fête, là où les gens ont trop bu, vont peut-être se mettre à commettre des actes répréhensifs, notamment des agressions sexuelles. Le fait d'être en groupe est une protection importante pour les femmes et notamment pour les jeunes filles qui viennent aux fêtes. Donc le groupe a une dimension aussi de sécurité dont la mairie a conscience et qui, je crois, fait partie des éléments positifs aussi de l'organisation de la fête. Voilà, je suis toujours un petit peu long dans mes réponses, mais ce sont des questions qui m'occupaient beaucoup. Il me semble qu'il y a quelques éléments nouveaux qui valent d'être discutés, donc j'ai été un petit peu long, parce que cette question de la foule me paraît vraiment importante. J'en viens maintenant aux questions posées par Marine, et sa première question à propos de Bourdieu m'a, dans un premier temps, décontenancé. Ah, je me dis, mais comment je vais faire pour répondre à ça? Alors, pourquoi j'ai réagi comme ça dans un premier temps? C'est que dans mon ouvrage, j'ai tendance à, non pas à m'opposer, mais à dire Bourdieu ne m'apporte rien pour la sociologie de la fête. Et je m'appuie là-dessus sur un très beau travail qui a été fait par Michel Bozon, un sociologue et démographe français de très très belle qualité, qui a fait une étude sur une petite ville un peu au nord de la France et qui a étudié les fêtes dans cette ville. C'est la vie quotidienne d'une ville, il y a les fêtes. Et il étudie les fêtes des riches et les fêtes des pauvres, les fêtes populaires et les fêtes des classes bourgeoises. Et donc, la fête ne réunit pas, elle oppose. Et chacun va avoir des modalités festives différentes, des pratiques festives différentes, on mange différemment, on n'a pas les mêmes locaux, on ne fait pas les mêmes choses, etc. etc. Or, à Bayonne, ce n'est pas du tout ça. Suivant la formule d'ailleurs de Passeron, donc qui est un ancien, très proche collaborateur de Bourdieu, mais qui a une vie intellectuelle qui lui est propre, au fait de Bayonne, le local supplante le social. Et à Bayonne, on va voir des élites, les chirurgiens vont faire la fête avec les petites gens. Il n'y a aucun problème. Le local des chirurgiens, l'association des chirurgiens, s'ouvre à quiconque vient. Et on y reçoit tout le monde, plaisamment, etc., etc. Et ensuite, on sort, on fait la fête comme tout le monde. De surcroît, comme tout le monde est habillé en blanc et en rouge, il n'y a aucune distinction vestimentaire, la nuit encore moins. Donc, vraiment, cette dimension de distinction n'existe pas dans les fêtes de Bayonne. Donc Bourdieu était loin de mon domaine. Néanmoins, je crois que les suggestions faites par Marina sont extrêmement utiles et ouvrent aussi des pistes intéressantes. On peut effectivement avoir un habitus festif au sens d'une trajectoire qui construit progressivement une manière de faire la fête, et donc de produire, pour ceux qui sont les fêteurs, ou les teufeurs, ou les festaires, ou folioïs, vous dites, vous, en portugais, une habitude de fête, et donc du coup, on a une illusion, c'est-à-dire un jeu, un enjeu, une manière de le jouer, qui va se mettre en place, et effectivement, on pourrait très bien examiner ce type de trajectoire, ce type de comportement, et ainsi, d'une certaine manière, avoir, par l'intermédiaire de cette sociologie bourdieusienne, des éléments qui répondent en partie à ce que j'évoquais à propos des conditions sociales de production de la joie. Ces éléments proposés par Marine peuvent permettre justement une construction intellectuelle
au moins sur certains points, hein, d'une approche, dans une approche bourdieusienne, hein, de mise en place donc d'une, d'un examen, hein, de ces procédures, de ces conditions sociales de réussite de la fête, de réussite de la pratique festive, jusqu'au point où on peut en tirer éventuellement aussi, hein, une forme de professionnalisation, hein, des gens qui vont être des experts de la fête, en fait, parce qu'ils l'ont faite, et parce qu'ensuite ils vont devenir des organisateurs de la fête, et ils le feront d'autant mieux qu'ils l'ont pratiqué, etc. etc. Bon, hein, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, et j'ai griffonné tout en... réfléchissant à la question, à cette suggestion qui au départ me décontenançait, mais qu'au final je trouve extrêmement utile, productive et digne d'être poursuivie, un petit schéma qui pourrait être le chant, hein, de la fête, le chant festif, avec comme premier axe, bien évidemment, un axe vertical économique. On peut le mettre d'ailleurs horizontal comme on veut, mais entre ceux qui ont beaucoup de moyens et ceux qui n'en ont pas, hein, je pense notamment au Brésil, moi je suis effaré par le prix des places dans les camarotes, c'est hallucinant par rapport aux revenus moyens brésiliens, c'est pareil. Incompréhensible presque, sans compter après les fantaisies, hein, quand on veut rentrer dans le bloc, ça coûte cher, c'est très cher, que ça soit à Rio de Janeiro, que ça soit à Bahia, ou que ça soit au Fortal, à Fortaleza, c'est quand même des prix assez confortables, et là je pense qu'il y a ceux qui ont beaucoup de capital économique et ceux qui n'en ont pas, ils ne jouent pas exactement de la même façon, hein, ceux qui sont en bas c'est les pipoca, comme vous dites. Et puis, par ailleurs, on peut avoir un autre axe, qui est un axe, hein, de capital symbolique, en quelque sorte festif, hein, de cet apprentissage de l'habitus festif, hein, d'une capacité à jouer, à être rentré dans l'illusion, avec d'un côté de ceux qui en ont peu, hein, souvent peut-être les vieux, hein, qui ont peut-être plus envie de ça, hein, ceux aussi qui rejettent la foule, qui n'aiment pas ce type de situation sociale. Et puis de l'autre côté, on va avoir les teufeurs, les festaires, les folioïs, hein, et puis peut-être tout en haut, à la fois ceux qui ont beaucoup de capital économique et beaucoup de capital festif, hein, ceux qui font partie de la jet set, hein, qui prennent des avions privés et qui vont de fête en fête, de yacht en yacht, etc., etc. Donc on peut avoir effectivement, je crois, là un champ festif, hein, qui serait digne d'étudier. Alors ça demande un énorme travail, hein, empirique, mais la perspective me semble extrêmement fertile et digne d'être suivie. Après, il y a peut-être une petite question qui est sur la manière de faire la fête. Il y a des endroits où il y a certaines particularités qui font que l'exis ne sera peut-être pas le même à Lille et à Nice et à Bayonne ou à Fortaleza et à Rio. Donc là, il y a sans doute aussi des distinctions. Il faudra certainement de la finesse d'interprétation. Deuxième question qui va un peu dans la même perspective posée par Marine, qui est la question de la dimension économique et des variétés en quelque sorte dans la dimension économique des fêtes. J'avais commencé à esquisser ma réponse tout à l'heure, donc je reviens un peu sur ce point. Alors, je pense qu'on peut avoir des fêtes tout à fait remarquables, tout à fait exceptionnelles, avec une effervescence festive, une joie tout à fait intense et sans réserve, même là où la dimension économique, y compris capitalistique, est présente. Arrivé à un certain moment, quand on est dans la fête, on s'en fout, je veux dire, c'est la fête justement, on oublie ces dimensions économiques, même si elles pèsent par ailleurs, mais donc je pense qu'on peut avoir de très belles fêtes indépendamment de la dimension économique. La production à ce moment-là est matérielle, comme l'a dit très justement Marina, mais je rajouterai quand même
aussi la production est une production culturelle. Elle n'est pas que matérielle économique, elle est aussi matérielle culturelle, si l'on veut, mais il y a une dimension quand même qui est propre à ce que l'on appelle une fête. Et je suis frappé, par exemple, par une différence qui, à mes yeux, est massive entre la fête que j'ai étudiée à Bayonne et les fêtes carnavalesques brésiliennes, c'est que dans la fête, même la fête de rue à Rio de Janeiro, pour ce que j'en vois, il y a une dimension de spectacle qui est quand même toujours centrale. Alors, bien évidemment, il y a le défilé des écoles de samba dans le sambodrome. Ça, c'est le spectacle magnifique, le spectacle plus, en quelque sorte. Mais il y a aussi le défilé des blocos musicaux dans les rues à Rio. Il y a aussi ce défilé des blocos musicaux à Salvador de Bahia. Bon, il y a cette dimension de convergence vers un phénomène qui a une dimension spectaculaire, qui est quasiment absente à Bayonne. Je dirais à Bayonne, il y a du bruit, mais il n'y a pas de musique. Alors que dans le carnaval brésilien, il y a une dimension musicale qui est beaucoup plus importante, qui va focaliser les attentions, focaliser les regards, focaliser les comportements, les personnes, et c'est en ce sens-là qu'il me semble qu'il y a une dimension culturelle qui produit la fête avec sans doute des différences entre Bayonne et les carnavals brésiliens. De la même façon, j'ai eu l'occasion d'observer depuis la rédaction de ce livre la fête qui a lieu à la braderie de Lille. C'est une fête de rue aussi, qui est magnifique. Marine a été à Lille, je ne sais pas si elle a eu l'occasion de voir la braderie, mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va focaliser le regard, indépendamment évidemment des restaurants où on mange des frites et des moules, ou des boires où on boit de la bière, etc., c'est le fait que c'est une braderie, c'est-à-dire qu'il y a des objets. Il y a des gens qui sont des professionnels qui viennent vendre des objets. Et j'ai remarqué que les groupes, les regards se tournent vers les objets disponibles. Ce n'est pas la musique, ce sont les objets. Parce qu'on vient faire des affaires, on vient acheter des vieilles tables, des vieilles chaises, des vieux jouets, des vieux vêtements, etc. Et donc, là aussi, il y a une dimension culturelle particulière. Ce n'est pas la musique, c'est les objets. Voilà. Donc, cette dimension culturelle me paraît aussi importante à prendre en compte dans à la fois la fabrication de la fête, mais aussi dans la participation à la fête. Donc, au-delà de l'économique, il y a la dimension culturelle qui doit être prise en compte. Alors, on arrive à la fin et je dirais simplement quelques mots sur la dernière question posée par Marine. Question peut-être à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse encore très très forte, très très, très assurée, parce qu'il me manque encore vraiment cette dimension comparative que j'essaye d'acquérir petit à petit en regardant et en travaillant sur les travaux des collègues brésiliens. Qu'est-ce qui pourrait servir un petit peu de guide, un petit peu au-delà de ce que j'ai pu faire et observer. Alors, il me semble que dans le travail que j'ai fait, il y a quelque chose qui est commun à tout le monde, tous les gens qui s'intéressent à la fête, c'est le côté histoire sociale de la fête. Quand on regarde ce qui se fait sur le carnaval carioca, le travail de Felipe Ferreira ou le travail de Maria Laura Cavalcanti ou le travail très solide, très, 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 très connu de D'Amata ou de Queiroz, on voit bien qu'il faut étudier l'histoire de la fête pour la comprendre. Le moment présent se comprend aussi par rapport au moment passé, parce que les gens ont dans l'idée les fêtes
du passé qu'on leur a raconté, qu'ils ont vécu, et on compare immanquablement. Donc, ça, c'est très original. En lisant le travail de Cavalcanti, Carnaval Carioca dos Bastidores ao Desfile, je me rends compte que le travail que j'ai fait est très proche de celui qu'elle a fait. C'est-à-dire, ce qu'elle étudie, c'est comment une école de samba fabrique le défilé. Et donc, il y a vraiment la fabrication d'un moment de la fête au travers de l'étude d'une école. Alors, moi, dans mon cas, c'est un petit peu différent, puisque c'est plus petit, les fêtes de Bayonne, c'est tout petit par rapport aux fêtes de Rio de Janeiro. J'étudie aussi la fabrication de la fête. Donc, il y a un côté, en quelque sorte, d'organisation de la fête. Donc, cette dimension-là, je ne suis pas très original. Cavalcanti le fait très très bien à sa manière, et je me réjouis d'ailleurs de voir cette similitude, d'une certaine façon, dans le travail. Ce que peut-être j'ai apporté, et qu'a très bien résumé d'ailleurs Marine tout à l'heure, c'est ce que j'appelle l'économie de la foule. L'économie de la foule festive, c'est-à-dire cette scansion qui vise à, le terme que j'ai créé, concept que j'ai créé dans le cas des fêtes de Bayonne, ce que j'appelle l'affoulement, c'est-à-dire la production, la construction sociale de la foule. Parce qu'elle ne vient pas toute seule, il y a vraiment un travail important à faire. Il faut annoncer la fête, il faut la prévoir, il faut mettre la ville en sécurité, il faut sécuriser les gens, etc. Il y a tout un travail extrêmement important de construction de la foule. Ensuite, il y a un problème, la foule c'est beaucoup de monde, ils ne peuvent pas être réunis tous au même endroit. Et donc du coup, il faut distribuer la foule entre le jour, entre la nuit, entre les différents lieux. Et donc, c'est un travail aussi très important de l'organisation de distribuer la foule. Et au fait de Bayonne, j'ai remarqué qu'on va voir dans certaines matinées ou après-midi 10 à 15 événements différents de façon à ce que la foule se distribue. Donc, voilà. Et il faut garder une unité, mais en même temps, il faut que ça se diffuse. Après, il y a la dimension de consommation, consommation de la foule, consommation par la foule. Il faut qu'il y ait des bars partout, il faut qu'il y ait des moyens de boire, il faut aussi qu'il y ait des urinoirs. C'est trivial, mais c'est extrêmement important. Il faut que ça reste propre. On n'a pas envie de faire la fête dans un endroit sali, jonché de saleté, d'urine, d'excréments. Non, il faut que ça soit propre. Et c'est un énorme travail pour que ça reste justement cette propreté. Et enfin, peut-être une dernière chose, et je m'arrêterai là, ce sera ma conclusion. Une dernière chose, peut-être peu mentionnée dans les travaux brésiliens que j'ai eus jusqu'à présent, il faut qu'à certains moments, la foule s'en aille. Il faut la faire partir. Il faut la faire partir pour que la mairie puisse nettoyer la ville et qu'on puisse recommencer la fête le lendemain matin. Et donc, c'est cette scansion, production de la foule, distribution de la foule, consommation de la foule, expulsion de la foule, c'est peut-être ça le cadre qui peut s'appliquer peut-être aux baraques qui sont sur la plage à Aracaju, ça s'applique aussi aux différentes journées du carnaval de Rio, comme ça s'applique à Bayonne ou à Lille ou à Nice. Voilà, un cadre très simple, mais qui pourrait permettre ensuite justement des comparaisons, ce qui serait peut-être une étape que j'espère pouvoir en partie avancer ou mener à bien. Voilà, excusez-moi encore de ces réponses très, très longues. J'espère qu'elles ont, sinon satisfait, en tout cas, permis à Mariana et à Marina de trouver quelques éléments de réponse satisfaisants. Je les remercie encore une fois pour leur travail de lecture, leur résumé et ces questions qui, j'espère que vous l'avez compris, m'ont vivement intéressé et vont me permettre de progresser au-delà de ces premiers travaux que j'ai pu faire. Merci beaucoup. Muito obrigado. Felipe, nós que agradecemos aí pelos comentários cuidadosos e detalhados, em cima das perguntas.
da Mariana e da Marina. E agradeço aqui, então, também a participação no debate da Marina e da Mariana, né, que fizeram, então, essa apresentação do trabalho do Steiner, o Ferlafetti, e também essas perguntas que suscitaram todos esses comentários bastante estimulantes aqui, né. Para mim, foi super interessante, né, ou seja, o Felipe fez comentários que entreteceram, né, o trabalho dele com referências francesas dos Estados Unidos com pesquisadores brasileiros e com festas brasileiras, né, então foi uma noite super interessante, né, viajar de Bayonne a Olinda, Salvador e Rio de Janeiro foi muito legal. Agradeço aí todo muito mundo. Legal. Claro, é muito legal de ver as festas brasileiras. Exato, não, o tema é muito, muito bom, né? Muda um pouco o tom aqui da nossa discussão, né? Karina, passo a palavra para ti, então. Bom, queria agradecer a Mariana, Marina, Felipe. Foi um ótimo debate. Inclusive, tem um colega nosso do UNESF, o Márcio Felipe, que ele chamou essa sessão de economia do sextou, que é quando a gente se refere a festas, né, no final de semana, a sexta-feira indica a chegada das festas, e o sextou é uma expressão. Então, economia do sextou, achei bem divertido, aí, uma nova expressão para a sessão. Bom, só para lembrar, na próxima semana, no dia 17, nós temos também a quarta sessão da nossa live, será a economia do matching, os algoritmos e a sociologia econômica, com Helene Leite e André Naum, nesse canal, às 18 horas. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Felipe pela disponibilidade. Estava conversando com o Rodrigo sobre a repercussão nas nossas lives, né, em momento posterior à live, nós temos mais de 400 visualizações em alguns vídeos, fico muito feliz com essa repercussão. É uma obra vasta e super interessante, né, hoje foi muito bom poder conhecer um pouco mais desse estudo das festas, né, essa viagem pelas festas da França ao Brasil. E é isso, queria agradecer a todo mundo que esteve presente. E deixo aqui o meu abraço e boa noite para vocês. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Boa noite. Tchau.